Auto du boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en pause. Sur ce, bon visionnement! Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer M. Michel Leclerc. Il va nous parler de sa passion. Vous allez voir, c'est très intéressant. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement à tous. Bonjour, je me présente Michel Leclerc, ex-enseignant à la commission scolaire Beauce-et-Chemin. J'ai enseigné à Lac-et-Chemin, Saint-Georges-de-Beauce et Scott. En 2014, suite à la maladie, alors que j'étais en congé, j'ai créé l'organisme sans but lucratif « Aimes-tu ma différence? ». Suite à une discussion avec des jeunes, eux qui étaient victimes d'intimidation, nous avons décidé de créer un spectacle afin d'amasser des fonds pour financer des activités en lien avec l'intimidation. Depuis 2014, nous avons accompli plusieurs spectacles avec lesquels nous avons reçu des invités spéciaux, dont Philippe Vergelat de La Voix, Anne-Marie, et d'autres personnes bien connues. Pour financer ce spectacle, à chaque année, nous avons des articles promotionnels, soit des crayons, des chandails, des tasses. C'est assez varié. Aussi, nous effectuons différentes activités afin d'amasser des fonds. On a une vente de garage, on a un marché aux puces, on a un bingo et encore beaucoup d'autres activités. Donc, chose à ne pas oublier, en plus de ces activités de financement, nous avons le soutien et le support de plusieurs collaborateurs, dont plusieurs commerçants de la région de Lac-et-Chemin, de Sainte-Justine et de Saint-Georges. Si vous souhaitez plus d'informations en ce qui concerne l'organisme sans but lucratif « Aimes-tu ma différence? », vous pouvez consulter le site Internet « Aimes-tu ma différence? » sur Facebook ou encore consulter tout simplement mon propre Facebook à Michel Leclerc. Surtout, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires, vos témoignages. De cette façon, nous pourrons peut-être vous aider. Merci et surtout, n'oubliez pas de surveiller nos prochaines activités. Un spectacle est à venir dans les prochains mois. Et surtout, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à communiquer avec nous. L'intimidation, c'est important et tout le monde doit faire sa part.